also, I don't think PD is bad. Once you get to, like, PD first, feels shit, I'm sure. I'm actually useless, what the fuck? How you think Yas feels? This is how he feels. Salut YouTube. Ouais. Yasuo Lethal Tempo n'est plus. Bonjour Presse via Tap et Fit Footwork et Conqueror. En fait, tout simplement, ne jouez pas Presse via Attack. GAVTC, c'est n'est plus. Ça n'est toujours pas une option supplémentaire. Ça s'avère plus être une rune. Mieux exploité par les champions à burst à attaque physique qu'autre chose. Fit Footwork et Conqueror sont toujours les deux seules meilleures options pour Yasuo et tout et Yone. Pour ce qui est des builds et des dégâts, c'est ce qu'on va tester. Alors en comparaison de ce qu'on pourra avoir pour un total de 3700 gold au lieu de si on avait Berserker, Zeal et Noon Keaver. On va pas les dire. Alors déjà au niveau de l'attaque speed, c'est ok, on peut bien faire des airblades et tout. Mais le problème c'est qu'on a 0 AD bonus comparé à si on avait une Zeal et une Noonkeeper. La prise d'attaque qu'on ne va jamais prendre sur l'assaut au final, et pourtant on voit que c'est pas fou. Parce que si on augmente les stats pour un vrai champion. Alors, c'est un peu moins que ça, mais bon, surtout pour la résistance. Quelque chose à peu près comme ça réalistiquement. Rien qu'avec 3 coups, 420. Ouais voilà, et c'est exactement à peu près le pressenti que j'avais en game, c'est vraiment vraiment pas terrible avec le support spike de Phantom Dancer. Et puis ensuite si on augmente, si on va au niveau supérieur. Au moins ce qui est bien c'est que comme le Fleet Phantom Dancer est plus cheap, ça nous permet d'accéder à la IE plus rapidement. On rappelle qu'elle a 3400 gold, c'est ça? Voilà, 3400 gold, que la BT est aussi à 3400 gold. Vous pourrez décider de faire soit l'un soit l'autre en deuxième si vous sentez que vous avez vraiment besoin de lifesteal. C'est vraiment les trois items to go, Kraken, Noblis, Azumple Crit, et c'est très triste. Parce que c'est vraiment un excellent item avec Lethal Tempo. Bref. Et ça devient correct, mais un correct du genre B-, quoi. Parce que si on fait ça. Alors pour les runes, comme je dis, les presses via attaque on oublie, c'est forcément du Fit Footwork ou Conqueror à la grande limite. Mais Fit Footwork sera actuellement la rune la plus optique pour Yasuo. Il y aura d'autres. Il y aura une dernière alternative à la limite si vous voyez que Grasp
Va pour votre gameplay, soit, mais perso, je ne ferai jamais ça. Pour moi, ce sera vraiment Fleet ou Conqueror si, Conqueror si je sens que j'aurai besoin d'AD dans la game, et puis au moins ça a un bon scaling. Là où Fleet n'apporte pas de scaling, mais plutôt de la survivabilité. Un peu plus de healing, même si ça a été nerf, et surtout la move speed, auquel on la sent vraiment. En forçant un PD comme. Le premier item à acheter étant la meilleure option, c'est bien plus efficace niveau mood speed, mais c'est plus d'un c'est plus ouais c'est plus dans l'optique d'être fun que relativement être fort en soi. Puis ensuite évidemment on a Triomphe. Là maintenant la critique est un must vu que maintenant ils ont enlevé la légende, je sais plus comment ça s'appelle, celui qui faisait que t'étais moins CC. Bref, je me le rappellerai, vous pouvez me dire en commentaire. Et la stun, forcément. Résolve, hein. Je sais pas si on pourrait prendre. Reprendre de la domination. La résolve n'a pas eu de changement et se montre toujours à être la seconde page la plus consistante. Du coup, va pour ça. Vu que BT nous donnera bon shield, on pourrait très souvent l'allier avec Shield Bash. Vu que déjà on profite déjà de ses trucs avec notre passive shield. Et puis après, ça va dépendre de la lane. S'il y a du burst en face, bonne plating. Sinon, seconde wind. Sinon, overall, s'il y a ni un ni l'autre, toujours prendre overgrowth. Ah ouais, Unflinching qui avant justement donnait de la ténacité, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, ça a été remplacé par gagner de l'armure et de la résistance magique qu'on se prend soin à CC. C'est un nerf. Ouais, c'est un nerf. Parce que nous, on veut tout ça. Parce que nous, on veut pas être tanky, en fait. On veut juste de la résistance au CC, en fait. T'as Overgrowth qui te rend tanky indirectement. Qui semble être plus intéressant que ça, déjà. Donc ouais, déjà ce patch est un gros nerf par rapport à la réduction de CC. On a beaucoup moins de ténacité par rapport à les items aussi. Et du coup ça favorise les mages ACC et tout. Et c'est un patch complètement centré pour les AD carry auquel les items le favorisent plus à eux. Et dans tout ce lot, bah, Yasuo et Yone sont exclus. Pour ce qui est des items, bah, tiens, on va les changer ensemble. Hein. Voici tout ce que nous avions de possible à faire en saison 14 split 1. Ben tout ça c'est gone. Alors évidemment je déconne, mais d'ailleurs même la létalité pour fun maintenant c'est plus viable. Maintenant à quoi ça ressemblerait? Ben, ça ressemblerait à ça tout simplement. Alors Berserker bien évidemment, ça changera jamais. Zephyr qui se débloque au niveau 15, généralement la game se finit après, et puis en plus, en plus, je pensais que ça allait se débloquer tout seul, mais en fait non. Une fois que tu es niveau 15, en fait, faut que tu l'achètes, du coup, c'est même pas un item que tu en bénéficieras, non, faudra l'acheter, ça te demandera 3100 gold de plus. Donc, ça sera vraiment pour le very late game, quoi. Ce sera le late du late game, quoi. Généralement, quand tu achètes un système, parce qu'il y aura mieux à faire. Ouais, voilà, hein. Tu gagnes en plus. T'as un surplus de move speed, d'attaque speed, move speed. Tu gagnes de move speed, un hit pour 6 secondes. Ouais, tu stats de la move speed à chaque fois que tu attaques. Ok. Du coup, pour les items. Infinity, Mythi. Et voilà, ça c'est la fameuse trinité d'items qu'on sera forcé d'acheter sur l'assaut. Le pire c'est qu'on n'a plus on n'a plus d'autres options. Parce que si vous voulez faire Shibo, c'est tout simplement devenu le pire item du jeu. On a enlevé l'attaque speed. On a enlevé. Ah ok d'accord, il y a encore le crit. Tant mieux pour moi. Mais attends quoi? Ils ont enlevé le crit dans l'itémisation, mais pourtant il y a du crit.
Ok, d'accord. Mais donc, pourtant, ne faites pas ça parce qu'il y a plus, parce qu'il y a plus de. Il y a plus le passif du Noonkeeper qui fait qu'on a le bonus des dégâts sur les minions, alors que c'était ultra intéressant. Il y a plus la lifesteal et plus d'attaque speed. 3 stats en moins pour comme si c'était pas suffisant, le même coup. Le coup n'est absolument inchangé pour tout ce qu'ils ont retiré. C'est une dinguerie. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est une dinguerie, comment c'est de l'arnaque. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bah, j'allais dire casser rien d'autre. Hein. Ouais, la Beotarka qui a été up, qui du coup, si vous retrouvez à jouer Yasuo au top, ben, ce serait un must-buy en top lane. Toujours. Hein. Et Phantom Dancer, vu que maintenant il y a moins d'items crit à bénéficier, ça restera un must à avoir selon moi. Ou encore, ouais, parce que BT ne donne plus de crit. Si ça en donnait du crit, on pourrait littéralement faire ça. Hein. Et ça aurait été vraiment trop bien. Puis tout ce qui est item défensif, offensif, je vais faire ça vite fait dès que j'en vois. Hein. LDR, ouais, qui a aussi un giga up. Deadman's Plate, c'est un changement. Non, ça c'est toujours le même, mais parce que je le fais pas. Witsen contre les AP, oui. Anduin, oui, évidemment, si vous pouvez, vous sentez le faire. Et c'est à peu près tout, ouais. Guardian Angel. Ouais, maintenant, vu qu'on ne bute plus Shibu, maintenant, on verra Mo plus souvent d'ailleurs. Pourquoi pas? Ouais, soit ça, soit la version. Du coup, ça. Et voilà, là, on en est réduit à peu près au rôle. Beaucoup moins de choix dans les items, beaucoup moins d'options. On se prive de la lifesteal très tôt. Ouais, très tôt après la lane phase, alors c'est généralement pas ce qu'on veut. On avait le choix de faire une bonne heal. Une bonne heal into Shilbo. Et avec IE, ça nous. Même non, même pas avant IE, mais à Oli, on pouvait même faire troisième item. Et on était vraiment très bien, autant en dégâts qu'en survivabilité. C'était vraiment en pic avec la Lethal Tempo, mais maintenant avec la Lethal Tempo qui est gone. Sans que nos dégâts se sont envolés. Et voilà, ouais, ça, voilà, en gros, ce sera à peu près tout pour moi pour les itemisations de Yasuo en même temps. Je dirais que pour l'état de Yasuo, ça n'a jamais. Il a quasiment jamais été aussi faible. Alors ça. Il fait que maintenant, alors ça va beaucoup se répéter. Hein. J'ai dit oui, il était faible, évidemment, ça se rattrape. En gros, une chose est sûre, ce que je pouvais dire de source sûre, c'est que Yasuo top est absolument dead. Yasuo mid et ADC sont vraiment les deux rôles jouables. Selon vos match-up, vous allez beaucoup plus souvent vous faire punir sans pouvoir riposter correctement, parce que l'état de tempo est tout simplement gone. Et vu que maintenant vous n'obtiendrez plus de l'AD via les items, car vous serez contraint de faire un item. Qui donne que de l'attaque speed, ça fait que vous baissez énormément en dégâts. Pour ce qui est pour respect d'items, au moins comme c'est cheap, je répète, la Phantom Dancer, si vous êtes au moins even, vous gagnez votre lane, vous devrez l'avoir entre 9 et 10 minutes, normalement grand max. Si vous faites une mauvaise game, vous l'aurez plus tard, et là ce sera beaucoup moins bon, parce que la laning phase va bientôt s'achever. Du coup, l'optimal, ce serait de l'avoir bien entre 9 et 10 minutes en étant niveau 8, niveau 9. Ensuite, vous avez votre Infinity Edge, ouais, IE, vers 15, ouais, 14, entre 14 et 16 minutes en étant niveau 12-13. Si vous avez minimum 4 kills, c'est plutôt positif, mais vous verrez que le downgrade des dégâts est colossal. Littéralement, j'ai eu un très mauvais feeling par rapport à ça. Même pour faire un break, les dégâts sont pas si ouf que ça. Les dégâts sont même moindres. En faisant Phantom Dancer IE, les dégâts sont même moindres que faire Zeal Kraken. Je déconne zéro.
Oh, c'est attristant à voir. Je sais même pas si ça se dit attristant, mais bref, c'est triste à voir, ça c'est sûr. Bref, je vous laisse là. Il y aura évidemment toujours du contenu sur l'assaut, mais probablement moins. Hein. Après tout, je veux monter en élo. Hein. J'ai pas envie de me. J'ai pas envie de me traver à un champion qui est fort malheureusement devenu useless. Car malheureusement, c'est vraiment le sentiment qui nous laisse Riot. Bref, on se retrouve sur une autre vidéo. See ya.